Lecture, évaluation de la compréhension de l'écrit. Page 186. Premièrement, je colorie l'étiquette qui correspond à l'image. Un indien, un chien. Un vieux, furieux. Un tablier, un panier. Un crayon, un papillon. Alors, vous allez colorier l'étiquette qui correspond à l'image. Numéro 2, je lis les mots. Un plumier, un cahier, un pieu, un lieu, rien, le tien. Un sillon, une grille, des bottillons, un rossignol, une bagnole. Un champignon, un beignet, une araignée, une signature, une ligne. 3, je lis les phrases. Le menuisier travaille dans son atelier. Amina est dans le jardin. Elle a des jolis bottillons. Dans le panier, il y a des oignons et des champignons. Je lis un texte. Le voyage à Minduiden. Nous avons fait un beau voyage en montagne. Nous avons passé 2 jours dans un hôtel au bord du lac de Minduiden. C'est une grande étendue d'eau bleue et claire. L'eau de ce lac sert à la natation, à la promenade dans de petits parcs et à l'arrosage des plantes. Je comprends. Ce n'est le titre du texte. Le voyage à Agadir, le voyage à Tiznit, le voyage à Minduiden. Alors vous allez souligner le titre du texte. Où ces gens ont-ils séjourné 2 jours? Dans une maison, dans un hôtel, à la montagne. Alors où ces gens ont-ils séjourné 2 jours? Alors vous soulignez là la bonne réponse. À quoi sert l'eau du lac? Relis ton petit texte et souligne la bonne réponse. Alors tu relis le texte, le petit texte, et tu soulignes la bonne réponse. Comment s'appelle le lac? Le lac d'Ifni, le lac de Tislit, le lac de Minduiden. Trouve dans le texte un mot avec nieu, un mot avec o, un mot avec cul.